Pokémon. Tu as envie de gagner, mais ce qui compte le plus, c'est de trouver l'amitié. Rien ne te fait peur, tu mets tout ton cœur pour être enfin le meilleur. Tu as la rage vaincre, rien ne pourra l'éteindre. Le tournoi extrême Pokémon. Mise en toi l'énergie de relever tous les défis. N'attends pas demain, la victoire t'appartient. Pokémon. Bonjour à tous, ici Lona Biculum, votre tutrice OS2 de kinésithérapie. Avant toute chose, j'espère que votre premier semestre s'est bien passé, que les résultats sont à la hauteur de vos attentes et que vous êtes d'attaque pour commencer ce deuxième semestre et découvrir le domaine de la kinésithérapie. Donc avec moi, vous allez voir trois chapitres. On va en voir un aujourd'hui ensemble, c'est l'introduction à la musculo-squelettique. Alors sur le forum, ce chapitre sera divisé en deux fiches pour plus de visibilité. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, nous verrons bien les deux parties conjointement. Ensuite, nous aborderons lors de cette pré-rentrée la neuro-rééducation. Mais le troisième chapitre, qui parle du blessé médulaire et qui complète la neuro-rééducation, sera abordé en autonomie. Il fait 5 pages. Et si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à aller sur le forum ou à poser des questions sur le Discord. Donc voilà, on peut commencer. Donc bienvenue dans ce chapitre. Donc, première partie, organiser l'espace anatomique. Alors là, je veux toute votre attention dans cette partie-là, et aussi un peu dans les autres, mais cette partie-là est très importante parce qu'en fait, elle est conjointe avec l'introduction à l'anatomie générale. Il y a deux matières qui ont un peu le même point, et donc en fait, ça vous permet un peu de réviser, donc si vous arrivez à maîtriser maintenant, c'est que du plus, et c'est des points faciles en QCM à avoir. Donc l'organisation de l'espace anatomique, il est commun à la kinésithérapie, à la médecine et l'anatomie. Ces trois champs, en fait, en anatomie, auront la même organisation. Donc c'est pour ça que c'est important à maîtriser. Je vais vous demander d'apprendre par cœur ce tableau. On va le voir ensemble. Alors aujourd'hui, on est en compagnie de Patrick, le squelette, et j'essaie de rendre ça un peu plus ludique et un peu plus visuel en montrant un peu sur le squelette ce que ça donne. Donc on va voir le plan frontal, premièrement, qui va diviser en antérieur et en postérieur. Son axe, lui, va être vertical. On aura le plan sagittal qui va diviser en droite et en gauche. Son axe est aussi vertical. Et on a le plan transversal qui sera lui horizontal. On fait bien attention. Frontal, sagittal, c'est vertical. Transversal, c'est horizontal. Et il va diviser en supérieur et en inférieur. Maintenant, on va voir sur le squelette ce que ça donne. Alors, Patrick, le plan frontal de Patrick, il va se découper comme ça. Donc, comme ça. C'est comme s'il avait un peu un écran devant lui. Donc, il va diviser en antérieur et en postérieur. Si je prends comme ça, vous imaginez toujours cet écran qui divise en deux. On a bien une partie qui va être antérieure et une partie postérieure. Normalement, jusque-là, il n'y a pas de souci. L'axe est bien vertical. J'ai pas coupé comme ça. J'ai bien coupé tout droit. Pour le plan sagittal, alors moi, j'ai un petit moyen mnémotechnique pour les fans d'astrologie. Donc, vous pensez au sagittaire avec son arc comme ça. Et ben, en fait, ça fait vraiment un axe qui va être sagittal, donc il va diviser comme ça, comme la pomme de Guillaume Tell, qui fait comme ça. Donc, si on a un axe comme ça qui est bien vertical, on est d'accord que je ne coupe pas comme ça, je coupe bien tout droit, et ben en fait, on va avoir un axe, on va avoir une partie à droite et une partie à gauche. Donc voilà. Et le plan transversal est bien différent du frontal et du sagittal, parce qu'il va être horizontal. Donc là, je garde bien mon bras à l'horizontale, et on a bien une partie supérieure et une partie en dessous de mon bras qui va être inférieure. Voilà, normalement, il n'y a pas de difficulté. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, sur les fiches, il y aura des schémas. Ce sera peut-être plus parlant de poser tout ça sur la fiche. Ensuite, on a une position de référence. La position de référence, c'est quoi? En fait, ça va être sur quoi va se baser la dénomination anatomique des matières. Pour décrire un organe, un nerf, un os, tout ce que vous voulez, en fait, on va avoir une position de référence de base pour que tout le monde ait le même langage et la même base, en fait, pour parler. Et tout le monde se dit, ok, à partir de cette position-là, on sait qu'il a fait comme ça, et ça pose une norme. Donc, cette position de référence, c'est un homme qui va être debout. Les épaules, elles vont être en rotation latérale. On va être en supination. Donc là, on a la pronation, comme ça, avec le dos de la main. Et là, avec la paume, on est bien en supination. On a bien la paume de la main en avant et la main ouverte. Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas avec mes deux doigts, je ne suis pas comme ça. Enfin, si je suis comme ça, justement. Mais on reste bien la main ouverte.
Le professeur disait qu'en fait c'était la position du mendiant, qu'on était bien comme ça. Toute la dénomination anatomique va se faire sur la moitié droite du sujet, d'accord? Je ne sais pas si c'est inversé, mais c'est bien la moitié droite du sujet. Donc voilà, on retient que c'est un homme debout qui va avoir les épaules en rotation latérale, supination, main ouverte, paume de la main en avant. On dit aussi que le petit doigt, il est sur la couture du pantalon. Ça aide à avoir tous les paramètres en place. Vocabulaire. Le vocabulaire est assez important à retenir en fait parce que bah, c'est ce qui va être utilisé en QCM, les pièges sont assez simples à faire et bah, c'est pour avoir la même base de vocabulaire pour pouvoir parler et comprendre un peu dans différents domaines de quoi on parle. Donc, on a crânial, ça jusque-là c'est le crâne, c'est vers la tête, et on a caudal, c'est éloigné de la tête. Caudal, si on fait un petit point étymologie, ça vient du coccyx en fait, qui est les vestiges de la queue de l'homme. Médian. Donc on imagine qu'il y a une ligne là comme ça sur notre corps. Hop. Et ben c'est l'axe du corps. Dorsal, c'est derrière. On n'a jamais vu le dos devant. Donc normalement, le dos c'est derrière. Non, pas de souci. Le ventre, c'est devant. Il n'y a pas le ventre dans le dos. Logiquement, c'est bon. Proximal. Alors, proximal, on prend par exemple le poignet, il est en proximal et les doigts sont en distal. L'épaule est en proximal, les doigts sont en distal. C'est tout simple. L'axe de la main, il passe par le troisième doigt, comme ça. Donc, c'est-à-dire que si on fait une radio, il y aura un axe comme ça, donc l'axe anatomique. Et en fait, comme ça, ils vont pouvoir voir de part et d'autre de mon axe si tous les os sont à la bonne place, s'il n'y a pas quelque chose qui est cassé ou autre. L'axe du pied, lui, sera sur le deuxième orteil. On fait attention, c'est 3 pour les mains, 2 pour les pieds. On fera gaffe aussi, alors là, ça apparaît pas, il y a médial et latéral. Médial, à ne pas confondre avec médian, le piège est assez fréquent. Médial, en fait, ça veut dire ce qui est en dedans de mon corps. Et latéral, c'est ce qui va être sur le côté. Donc, c'est-à-dire que si je prends les muscles de mon bras, je me lève là. Donc, là, les muscles qui sont ici, ils seront du côté latéral. Vous voyez bien qu'ils vont un peu dans le vide, ils vont sur le côté. Mais les muscles qui sont là, ils se rapprochent de moi. Ils sont vers mon corps, donc ils sont vers l'intérieur. Donc, voilà, on a médial et latéral. À ne pas confondre avec médian, justement. Donc, voilà pour cette grande partie. Vous pouvez souffler. On retient bien ça, vous voyez, c'est vraiment important de savoir se repérer, de connaître les mots pour savoir parler. Et si vous maîtrisez ça déjà, ça vous mettra une bonne base pour l'anatomie. Maintenant, on va avancer vers la deuxième partie. On va parler du mouvement d'un point de vue articulaire. Au niveau de l'articulation, on va regarder plein de choses. On va regarder si elle est fibreuse et ou cartilagineuse. Je dis et ou car une articulation peut être à la fois fibreuse et cartilagineuse. Si l'articulation possède une enveloppe synoviale. En traumatologie du genou, par exemple, vous savez qu'il y a bien une enveloppe synoviale, il y a souvent des épanchements de synovie, c'est-à-dire qu'il y a du liquide synovial qui va s'épancher et qui va partir un peu dans la jambe. Mais voilà, c'est pas très cool. On va aussi regarder les éléments de glissement, de protection, de stabilité et d'amortissement. On va regarder aussi le DDL. Le DDL, c'est une notion, ça veut dire degré de liberté. Exemple, l'épaule. Alors ça, c'est un petit mnémotechnique de votre vieille Karl Arthrose. L'épaule, 6 lettres, on en enlève une, c'est pour le DDL, il en reste 5. 5, c'est son degré de liberté. En fait, l'épaule, vous voyez, elle est très mobile. Mais on dit que plus une articulation est mobile, moins elle est stable. Donc, ce qui va rapporter de la stabilité à notre épaule, c'est tous les cartilages, les muscles qui vont se fixer dessus et qui vont la rendre plus stable, tout simplement. Mais on voit bien que c'est très, très mobile, une épaule. On a aussi des forces mobilisatrices. Si on a une grande force, on a des grands mouvements. Au niveau de la jambe, classiquement, on a plein de muscles, on a les quadriceps, etc., des muscles forts parce qu'ils supportent le poids du corps. Et vous verrez en anatomie le cône de circonduction, on voit qu'il est très grand et on peut voir que le mouvement de la jambe peut balayer un large champ. Donc, ce qui est de très nombreuses forces mobilisatrices. On a aussi les émetteurs sensoriels. Par exemple, vous voyez, en tant qu'étudiant, vous faites vos petites pattes et là, vous touchez la plaque de cuisson malencontreusement. Tout de suite, vous aurez le réflexe de retirer la main. Et pourquoi j'ai ce réflexe? Parce que j'ai des émetteurs sensoriels. Les émetteurs sensoriels à la base de mon épiderme, ils vont en permanence nous renseigner sur notre situation dans l'espace, s'il fait chaud, s'il fait froid et sur ce qu'on touche. On a les éléments de l'articulation, il y en a 4. Alors on va faire attention, ils sont pratiquement constants, c'est-à-dire qu'on ne va pas les retrouver tout le temps, mais dans la plupart des cas, ils sont tous les 4 présents. Donc on a le cartilage, l'os sous-chondral, une capsule qui va correspondre au fibrocartilage, pardon, et un disque articulaire. Voilà les 4 éléments de l'articulation qui ne sont pas constants. Le cartilage articulaire, comme vous avez pu le remarquer, c'est une structure complexe qui est organisée pour amortir et surtout pour améliorer les glissements entre deux surfaces articulaires. On va retenir qu'ils ne sont pas innervés ni vascularisés.
Aucun des deux, c'est simple à retenir, il n'y a pas de nerfs, il n'y a pas de vascularisation. Pas innervé ni vascularisé, on retient vraiment. Ce cartilage, il va être nourri par imbibition. Qu'est-ce que c'est classiquement? Vous marchez dans la rue avec vos potes. Et bien en fait, en marchant, vous allez faire des cycles de compression et de décompression. Et en fait, vous allez nourrir votre cartilage avec le mouvement. Et bien voilà. Quand vous marchez, ben, en fait, vous entretenez votre genou et tous les cartilages autour. Alors là, je vous demande votre attention. Encore une fois, oui. Il y a deux notions qui sont spécifiques en kiné. Alors je sais que là, il va falloir s'accrocher. Je vais vous l'expliquer un peu en théorie. Et après, je vais vous le simplifier. On va faire des schémas et tout, vous allez voir. Et on va essayer de comprendre ce qu'est la congruence et la concordance. Donc la congruence, c'est la déformation du cartilage de degré majeur. Un degré majeur, c'est un roulement dans de grandes amplitudes. Typiquement, un roulement, c'est comme ça. Vous voyez, c'est quand le genou, il fait... Il commence à se plier. Et ou de degré mineur. Donc c'est des petits glissements, on parle de patinage qui va accompagner un mouvement majeur. Donc en patinage, en fait, vous voyez, c'est typiquement un fémur qui va rencontrer le tibia en fin de mouvement. Et du coup, il va avoir un petit choc, un petit patinage. On a aussi la notion de concordance qui va concerner la comparaison des rayons entre courbures. Maintenant, on peut souffler, vous vous dites, oulala, mais de quoi, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Eh bien, je vais vous expliquer en plus simple. La congruence, vous allez partir du postulat que c'est la forme. Donc ça correspond à un emboîtement de surface. Et la concordance, ça va être la taille. Donc c'est la comparaison des rayons courbures. Donc vous voyez, là on a une concordance, là la congruence pour que ça s'emboîte. Jusque là, c'est bon. On va voir les schémas. Ici, vous voyez ici que c'est bien arrondi et que c'est congruent pour la figure A. Donc c'est congruent, mais c'est pas concordant parce que vous voyez que le socle là, qui le reçoit, il n'épouse pas vraiment la forme. Le B, on voit bien qu'il y a un gros crochet là qui est prêt à recevoir l'élément concordant, congruent, pardon. Mais on voit bien que c'est plus petit, donc ça va un peu glisser. Et le C, on voit bien que c'est parfaitement congruent et concordant, ça s'emboîte bien. Et bien, la notion de congruence et de concordance, c'est tout simplement ça. Vous le reprendrez à tête reposée et j'espère avoir été claire. Maintenant, on va aborder les règles de biomécanique. Vraiment, concentrez-vous, c'est assez simple à comprendre. On va commencer par la convexité. Après, on parlera de la concavité. On commence par la convexité. Moi, je pensais que convexité, c'était un peu le méchant parce qu'il y a un X, ça faisait plus agressif à entendre. Donc, je disais, convexité, c'est le méchant, il va dans le sens opposé. Alors, je vais vous expliquer la notion. Donc, on a une surface concave. Alors, c'est partie droite du schéma en haut à droite, là. Ça va être la partie droite. On a une surface qui est convexe mobile, donc celle qui est comme ça. Convexe mobile, la partie orange, avec une surface concave fixe, donc la partie verte. On voit qu'elle fait le mouvement de glissement se fait dans le sens opposé du roulement. On voit bien que le glissement va là et que le roulement il va comme ça. Donc en fait, convexité, il faut retenir que le mouvement mineur et le mouvement majeur ne vont pas dans le même sens. Alors que dans la concavité, on a un convexe fixe, donc en vert, et un concave mobile en orange. Donc le roulement, il va se faire dans le sens du glissement. Le roulement, donc le mouvement majeur se fait dans le même sens que le mouvement mineur qui est le glissement. J'espère que j'ai bien été claire. N'hésitez pas à poser des questions et sinon la fiche, tout sera expliqué. Pour la partie 3, le mouvement d'un point de vue musculaire, donc on a vu la partie articulaire, maintenant on va voir les muscles, on va voir la différence entre mouvement passif et actif. À titre informatif, là vous serez sur la deuxième partie du coup, vous voyez que j'ai séparé un peu, j'ai séparé à partir de ce moment-là. Donc un mouvement passif, c'est le patient qui ne participe pas du tout, ni au mouvement musculaire, ni de manière consciente. En fait, ça va être le thérapeute qui va faire les mouvements et qui va jouer avec les articulations. Donc passif, il ne participe pas. Passif, pas, il ne participe pas. Ok, tout est dans le son. Mouvement actif, ça va être le kiné. Donc MK, ça veut dire masseur, masso-kinésithérapeute ou masseur-kiné, voilà. Demande à son patient de se mouvoir. Donc il va demander, le kiné va demander à son patient de bouger. Et il va le guider en lui donnant des instructions, mais c'est le patient qui va faire. Donc il va être conscient et il va participer au niveau des muscles. Là, ces muscles vont être mis en action. Donc voilà, il faut bien faire la différence. Ensuite, on va parler de la contraction statique. Dans ce mode, il n'existe que l'isométrique. Iso, ça vient, en latin, ça veut dire même, et métrique, longueur. Donc en fait, ça veut dire que ça reste en même longueur. Par exemple, si tu fais une chaise contre le mur ou tu fais un gainage, les muscles ils vont rester à la même longueur, en fait, il n'y a pas de mouvement. Une contraction musculaire, donc statique,
dite isométrique, va permettre de contracter le muscle en déplacement. On voit bien, par exemple, imaginons que là, je fais du gainage là, et que vous êtes le sol, et ben, on voit bien qu'ici, là, je ne vais pas bouger mes bras et qu'il n'y a rien qui va se déplacer. Donc, il n'y a pas de déplacement des segments en regard des points d'insertion musculaire. Voilà. On va voir maintenant les contractions dynamiques, quand là, on va se bouger. Donc là, pour la contraction dynamique, on va avoir trois, le concentrique, l'excentrique et le pliométrique. Donc on va commencer par le concentrique. La contraction concentrique va permettre de rapprocher. Par exemple, typiquement, je fais ça. On voit bien qu'on rapproche les insertions. Le muscle, il se raccourcit pour faire un mouvement. En excentrique, justement, je déplie, par exemple. Le mode de contraction excentrique, il y a une contraction du muscle qui permet au point d'insertion de s'écarter. Mais le point d'insertion, là, il s'écarte. Vous pouvez le faire en même temps avec moi dans la vidéo, vous allez vous en rendre compte. Et sinon, on a le pliométrique, comme je vous ai dit. Donc, c'est d'abord une contraction excentrique, puis concentrique. Par exemple, le saut sur le tube en hauteur. Au début, on va être en squat. Après, on est en l'air. Donc, on est en excentrique quand on est en l'air, parce qu'on écarte les points d'insertion. Et quand on réatterrit sur le cube, eh ben, en fait, on va être en concentrique. Tout est sur le schéma. Voilà. Donc, je vous fais un petit tableau récap. On répète. Isométrique, pas de mouvement, donc on ne bouge pas. Concentrique, on a un mouvement, excentrique, on a un mouvement, pliométrique, on a un mouvement parce que c'est dynamique. Le concentrique, il rapproche, l'excentrique, il éloigne, et pliométrique, donc c'est de l'excentrique puis du concentrique. Voilà. Alors maintenant, ceux qui ont fait en terminale SVT vont savoir de quoi je parle, on va parler du réflexe mutatique. Si vous n'avez pas fait SVT, si vous ne savez pas ce que c'est le réflexe mutatique, pas de panique, on va tout reprendre, donc tout le monde est au même niveau. Donc le réflexe mutatique, c'est une contraction involontaire. Alors typiquement, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, c'est quand votre médecin il vous assoit sur la table, il vous tape avec un marteau sur le genou et votre jambe remonte toute seule. C'est le réflexe mutatique. On va voir comment il fonctionne. En fait, il va faire intervenir des fuseaux neuromusculaires qui sont des récepteurs qui vont être sensibles à l'allongement. Et en fonction de l'état du muscle, donc s'il est en bonne ou en mauvaise santé, il va envoyer plus ou moins de messages nerveux électriques jusqu'à la moelle épinière. Exemple, ça marche aussi sur le genou, mais sur le tendon d'Achille derrière. Le mollet, quand on met un petit coup là sur le tendon d'Achille, le mollet il va s'étirer. Les fuseaux neuromusculaires vont réagir, ils vont augmenter le nombre de messages nerveux électriques sensitifs, c'est pour ça que j'ai mis un petit Pikachu. Ces derniers arrivent jusqu'à la moelle épinière, ils vont envoyer une réponse à travers un motoneurone gamma, je fais bien attention, c'est pas alpha, c'est pas n'importe quelle lettre, c'est gamma, c'est un petit Y, qui va provoquer la contraction du mollet en retour. L'objectif de ce réflexe mutatique et du réflexe mutatique inverse, c'est la protection du muscle contre les déchirures. Le réflexe mutatique inverse, c'est lorsqu'il y a une trop grosse contraction. Par exemple, si on fait on va à la salle, on va à Basic Fit, on fait un squat avec du poids, il va avoir une traction sur la jonction et ça va provoquer une augmentation des messages nerveux électriques sensitifs. Ça va faire une décharge. Ces messages, ils vont arriver jusqu'à la moelle épinière et la moelle épinière va stimuler un inhibiteur du motoneurone afin de réduire la force du muscle et éviter qu'il y ait une déchirure. Maintenant, voilà, on digère un peu tout ça. Voilà, j'espère que je suis assez claire pour le moment. N'hésitez pas vraiment à fractionner ou à le temps de digérer, à faire des pauses, etc. À être sûr d'avoir bien compris. Et si c'est bon, bah on continue. On va faire les courses musculaires. Alors là, on va partir de mon épaule, de mon bras et de mon poignet, comme ça va être plus simple. Donc, une course interne, typiquement, ce serait faire ça. Les points d'insertion, ils sont le plus rapprochés. Une course intermédiaire, ça serait plus ça. C'est une course moyenne, on va dire. C'est là où j'aurai le plus de force, vous voyez. Ici, là, j'aurai le plus de force. Et en externe, mes points d'insertion sont les plus éloignés. Donc, ça serait quand mon bras, il est au repos. Donc, on a interne, moyenne, externe. Faites-le avec moi en même temps. Pendant que vous regardez la vidéo, vous vous rendrez compte. Donc, quand je suis en concentrique au niveau du biceps, je vais rapprocher les insertions. Donc, soit je vais passer d'une course externe à moyenne. Alors, attendez. Hop là, externe à moyenne, ou externe à interne, ou moyenne à interne. Quand on est en excentrique au niveau du biceps, on s'éloigne. Donc on passe de interne à moyenne, de moyenne à externe, ou de interne à externe. Faites-le en même temps, vraiment, ça, en même temps que je dis, comme ça vous vous rendrez compte, ah moyenne c'est là, interne c'est là, etc. Les courses musculaires c'est super important, car elles permettent de définir plus ou moins la course d'un muscle. Relation force-longueur du muscle actif. Donc tout va se concentrer sur le petit schéma en haut à droite.
Lorsque le muscle est stimulé, il va générer une tension qui dépend de la longueur du muscle. Jusque-là, c'est logique. Il existe une longueur musculaire optimale qui correspond à 2 micromètres, là on peut le voir sur le graphe, là où il y a marqué LO, correspondant au maximum de force, donc PO, que le muscle peut développer dans des conditions isométriques. Donc, rappelez-vous, isométrique, c'est quand soit on fait la chaise ou le gainage. Donc à 2 micromètres, il y a le maximum de force et le maximum de pont actine-myosine. Normalement, ça vous fait des petits rappels du S1 et même, j'irai de la terminale. Donc là, on remarque, et c'est important de retenir, que la relation entre force et longueur du sarcomère, ce n'est pas une exponentielle. On voit bien que ça fait fiou, ça descend. Donc à noter que les petits traits, là, comme ça, c'est les ponts actine-myosine pour la lecture. Donc lors du raccourcissement du sarcomère, donc ça correspond à tout ce qu'il y a avant les 2 micromètres. Et ben, on a les myofilaments qui se chevauchent de plus en plus. On voit bien que la courbe est ascendante, mais il y a moins de ponts donc, qui peuvent se former et il y a moins de force plus on monte. Ensuite, lors de l'allongement du sarcomère, donc quand on passe à côté des 2 micromètres, donc la partie descendante, la courbe descendante, les lignes Z vont s'éloigner de l'une à l'autre, les ponts entre l'actine et myosine vont être de moins en moins nombreux et la force produite va diminuer progressivement. Maintenant, on va vous parler des chaînes. On a 4 types de chaînes et c'est important de définir sur quelle chaîne on est avec un patient. Donc on a la chaîne ouverte, c'est lorsque le membre ne va pas être en appui. Typiquement, c'est quand je vais lancer une balle. Là, vous voyez, mon membre, il n'est pas en appui. Hop. Donc, l'extrémité proximale, vous voyez, proximale et distale, c'est important d'avoir le bon vocabulaire. Proximale est fixe. Hop, c'est bien fixe. Extrémité distale est libre. Vous voyez bien, ma main est libre. Là, mon coude, il est fixe. Et là, c'est libre, je lance ma balle. La chaîne fermée, c'est quand le membre est en appui fixe quelque part. Ça veut dire que les extrémités proximales et distales sont libres. Donc, c'est classiquement quand je fais des pompes ou un squat au niveau des jambes. Donc mes pompes, là, ce qui va jouer, ça va être mes coudes, et au niveau squat, ça va être mes genoux. La chaîne en série, ça va être une chaîne d'accélération du mouvement, et les muscles agonistes vont être dans le même sens. Par exemple, je vais lancer un javelot. Là, vous allez voir que tous mes muscles ils vont aller dans le même sens pour envoyer la force propulsée vers l'avant. On a aussi la chaîne en parallèle. C'est une chaîne de force, et les muscles agonistes sont dans un sens opposé, contrairement à la chaîne en série. Par exemple, quand je lance un poids, vous savez, ceux qui tournent sur eux-mêmes, là, qui balancent le poids, on aura les muscles qui seront dans un sens opposé. Maintenant, place à un petit quiz, donc je vous laisse mettre pause pour essayer de répondre à ce QCM. Et voilà la réponse, donc c'est médian qui signifie axe du corps. Et voici un deuxième QCM, n'hésitez pas à mettre pause pour répondre. Et voici les réponses de ce deuxième QCM, donc le membre il n'est pas en appui, l'extrémité distale elle est mobile, et l'extrémité proximale, elle est fixe. L'exemple est bien le lancer de balle. Et voici le dernier QCM, n'hésitez toujours pas à mettre pause pour y répondre. Donc les caractéristiques de la contraction pliométrique, c'est que c'est un mouvement qui éloigne et après qui rapproche. Voilà, j'espère avoir été clair, j'espère que tout est bon pour vous. Je vous rappelle que je suis Ilona Viculum sur le forum et sur le Discord. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et voilà, je vous fais plein de bisous, plein de courage pour ce semestre et à bientôt. Bisous, bisous. Merci beaucoup.